Nous avons énormément de théâtres d'opération. Nous sommes une armée. L'autorité morale Dieu se sait. Réprimez les applaudissements. Président et autorité morale du Front commun pour le Congo, nous voudrions dire évidemment toute la joie que vous avez lue sur le visage de vos camarades pour cette surprise agréable que vous venez de leur faire ce matin, de venir leur apporter vos encouragements. C'était inattendu. Et nous voudrions que nos camarades d'ici expriment encore la manière la plus expresse. Ces applaudissements qui n'en finissent pas seront là juste pour vous dire ces applaudissements qui n'en finissent pas sont là pour vous dire que votre famille politique est debout derrière votre autorité pour vous exprimer son soutien indéfectible et toute sa loyauté dans les combats politiques et démocratiques pour les biens de ce pays. Encore une fois, merci d'être venu sans Dieu. Le deuxième petit mot, c'était juste pour mettre à niveau, malgré les 10 minutes que vous avez passées avec nous, Monsieur le Président. Nous avons commencé
ses travaux par des exposés liés à son oncle toujours. Et là, nous avons eu un débat franc sur l'évaluation de notre processus électoral, en plus d'un débat sur la communication, mais avant tout sur les enjeux liés à notre pays, parce que notre slogan, c'est bien le Congo d'abord, et une invitation à tous à se rassembler. Une invitation que vous avez lancée personnellement à tous les Congolais à se rassembler, et ceux qui ont accepté cet appel, ils se sont enrôlés dans cette famille politique et le Front commun pour le Congo. Un rassemblement autour du Congo. Il était donc question de savoir quels sont les enjeux qui sont liés au Congo. Et nous avons pris un cas type, c'était le cas des ressources minières où il a été démontré les combats que vous avez menés pour affranchir ces pays de la tutelle pratiquement économique des multinationales et qui faisait en sorte que le Congo continue à broyer dans le noir, la pauvreté était grandissante, même dans les zones minières, c'est la réforme du code minier. Aujourd'hui, nous avons pensé aborder des questions qui touchent au social de notre peuple. Nous avons la question de la gratuité de l'enseignement. Nous avons la question de la gouvernance de nos provinces et du développement à la base qui est attendu. Nous avons la question des inondations avec la problématique de la reconstruction anarchique et aussi des règlements climatiques que connaît le monde avec ses conséquences aussi dans notre pays. Nous étions donc en train de suivre le dernier exposé qui était lié à la situation sécuritaire à l'est de notre pays au moment où vous nous avez fait honneur, Monsieur le Président, de cette visite. Nous allons donc marquer une pause du fait de votre présence ici, parce que vous-même, vous voulez encourager par votre présence vos camarades. Et nous décrétons donc la suspension momentanée des noms. Et bosse, sambela nzambe na yo, biso peto zo sambela, kolo yo ke la bana poto mawa, popo zo beleki, eleki, eleki, ye, 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 eleki mingi.